Ouais, c'est parti. C'est en jambes. On se motive, c'est dans la tête. Regardez-moi ça. Meilleur pré-workout. Et voilà, j'ai mes BCA. On va tout donner, on va squatter. Let's go, baby. C'est parti. Bon, c'est parti, là je vais chauffer, je vais faire 5 minutes sur le tapis. Voilà, intensité modérée, histoire de chauffer le système cardiovasculaire et l'articulation. Regardez-moi ça, je cours tranquille. Depuis un certain temps, là, je commence toutes mes séances jambes par les mollets. Ouais, comme tout le monde, c'est un petit point faible. Voilà. Et je vais commencer par ça, je fais à peu près 4-5 séries entre 12 et 15 reps. Voilà, je fais ça. Max de répétition, j'enlève encore une fois max et voilà, on va bien se tuer. Je filme ça un peu. Yeah.
là je viens de finir un squat. Je passe aux fentes unilatérales à la machine guidée. Voilà, je vais faire à peu près 4 fois 8, mais ça va être assez lourd. Et voilà, je finis une série. Je vais voir à quoi ça ressemble. C'est parti. Avec les fentes, là je fais côte de squat en tension, donc je retiens la descente pendant environ 5 à 6 secondes, je fais 3 séries 10, c'est parti. Je viens de finir un bicep, leg extension, leg curl, 4 fois 10, c'est la dernière décoltive, ça explique pourquoi je suis comme ça. J'ai pas pu vous filmer, je trouvais personne pour me filmer, bon, la prochaine fois. Post-training break. Je donne ça. Bon voilà, séance leg finie. C'était chaud, c'était hardcore. Mais bon, c'est ça qu'on aime. Il faut se dépasser à chaque séance, hein, c'est le plus important. Donc là, je rentre. Je vais manger. Qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger 300 g de riz basmati avec 10 g de miel, 100 g de poulet cuit et des petits légumes et 10 g de viande. Voilà. Et après peut-être j'irai me la poser cool à la plage. Je vous tiens au courant. Bon voilà, après avoir bien mangé, bien digéré, je vais à la plage, je vais un peu profiter du soleil, prendre des couleurs. Et voilà, je vous parle de là-bas, je vous montrerai un peu le décor. Bon voilà, je suis arrivé à la plage. J'espère que vous m'entendez bien avec la mer. Mais bon, je voulais... Déjà, désolé s'il n'y a pas eu d'impro, c'est juste j'ai pris le téléphone, je me suis dit c'est bon, vas-y. Je vais filmer ma journée, mon entraînement et tout. Donc voilà, je vais faire une fin par contre. Maintenant c'est bon, j'ai commencé. Et aussi mes objectifs pour que vous sachiez bien. En gros là je suis en prise de masse, ça fait un mois. J'ai commencé vers les 70 kg, là je suis bientôt à 73, donc ça avance bien. Je pense que je vous montrerai quelques photos. En tout cas, là je pense que je vais aller me baigner, histoire de profiter. J'espère que ça vous a plu cette journée. Je vous reverrai de toute façon après. Si vous avez n'importe quelle question ou des conseils à me donner, des questions, des vidéos que vous voudrez voir dans les commentaires, un petit pouce bleu, on est obligé. Hein. Voilà, je crois que je vais vous filmer quelques petites vidéos de la mer, tout ça. Et voilà, on se retrouve plus tard. Les gars, je rentre de la plage, je vais manger un petit goûter là, il est 6h je crois, enfin, il est un peu tard. Je vais me prendre 6 waza là, les vaza waza, avec 25 g de peanut butter. Je vais vous montrer ça après. Voilà les gars, on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. J'ai mangé, je me suis douché, tout va bien, là je suis crevé. Je vais vous mettre les macros de tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Donc je pense que ça vous intéresse. Donc comme ça vous saurez mes macros et je suis à combien de calories par jour. Je vais l'afficher là sur la vidéo.
Et demain c'est je m'entraîne pas, jour de repos. Et ensuite on rattaque avec les pecs, les épaules et les triceps. Donc ce sera une nouvelle vidéo, je vais vous montrer toute ma séance. Je vais essayer de filmer tous les exercices cette fois. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour l'autre vidéo.